Quelque chose que tu mets pour déteindre ton tissu pour après ça le teindre. Je vais pas essayer, mais tiens. Ouais. Fait que c'est ça, si on a besoin de ça. On a besoin aussi de ciseaux à couture si vous voulez modifier le vêtement en question. Ensuite, de la colle. Ça, parce que vous pouvez faire des motifs avec ça, c'est ce qui est cool. Que mettons, vous mettez, prenez votre chandail, vous mettez un cœur en colle dessus, après ça vous faites votre tie-dye, puis le cœur il va rester blanc. Mais c'est ça, en lavant, la colle va s'enlever puis ça va laisser une forme de colle. Est-ce qu'il faut le laver quand on l'a fait? Moi, je l'ai pas lavé. Non? Mais okay. c'est quand tu le rinces, là, parce qu'après, il faut le rincer. Mais c'est ça. OK. Après, des élastiques pour attacher votre chandail. Pour faire la spirale. Ouais. Et une multitude de teintures de toutes les couleurs que vous voulez. J'en ai du noir aussi que j'ai déjà utilisé. Mais nous, là, c'est pas le. Comment commencer par gosser le chandail? Par gosser le chandail? Ouais, ben moi, je vais le couper un peu. Ok. Pour ça, je dis gosser le chandail. Bon, ben, je vais te filmer pendant que tu gosses ton chandail. Ok. Moi, j'ai décidé de prendre ça. Parce que j'aime bien. Il est un peu taché. Fait que justement, ça paraîtra. Ce que je vais faire, c'est. Tu sais, les espèces de camisoles qui descendent bas, là, pour que tu mets un top. Ah oui! Fait que je vais couper ça. De toute façon, est-ce que ça fait. Eve, elle a vraiment un côté artistique développé. Mais j'imagine, ok, là, j'aurais pas de pitcher les affaires depuis tantôt. On va tasser le pot. Ok. Là, je vais me lever le nez parce que sinon, c'est. Donc là, mettons, si je fais comme. Je me suis la ligne tranquillement pas vite. Bon, ça y est, une bébite. Coupe la bébite. Ah. Voilà. Ah, oh, wow. Mais ouais, on filmait pas ça. La magie du gazon. Puis on s'est mis dehors aussi parce que, tu sais, pour pas tâcher. Ouais, parce que je vais vous avertir, là, ça se peut que ça tâche, ok? Ça se peut. Ok, là? Si, ok, là? Si vous êtes prudente, tant mieux. Sinon, si vous êtes gaffeuse, mettez-vous dehors. De wow! Ok. Je pense que c'est à mon goût. Tu fais un petit crap? C'est pas à mon goût. C'est pas à ton goût. Non, les guidis en arrière, ils dépassent. Ça me gousse un petit peu. Ça, c'est déjà mieux.
Ouais, je pourrais faire un petit crop top. Et voilà! Ça, ça tombe déjà mieux, je trouve. Ouais. Ouais, parce que je veux que l'espèce de pas fini fit avec le bas. Fait que je vais enlever le bas. Mais pas trop. Parce que je veux quand même garder la longueur un peu. J'ai vu une libellule survoler mon chandail. Bon! Ça donnait à peu près ça. Quand même. Fait que Chantal, t'as trouvé ton... Ouais. Ton chandail. Je vais en faire un... Hey, enfin, je sais même pas si ça va être beau. Je vais faire un crop top. Hey, je pense que c'est la première fois de ma vie que je coupe des vêtements. Oh my god! J'ai jamais fait ça. Ça y est, on fait ça. Wouhou! Oh mon dieu. Lâche pas. Coupe du gazon. Le gazon coupé, plus besoin de le faire. Attends, là, je suis pognée dans quelque chose. Rose Pelay! Woo! J'ai fait un petit. Un petit accro. Regarde. Parce que mes ciseaux sont XXXX trop coupés. Bon, bon, bon. Fait que là, ça donne genre ça. Ouais. Attends, attends, ok. Vu que j'ai fait une petite gaffe au bord, là, mm-hmm. On va faire de quoi? Ok. Ouh, attention. Je sors mon côté artistique non développé. On fait des bébés franges en bas du chandail. Pas égal. C'est important de le dire. Ouais. Ça fait un fini faux fini. Ah, je sais même pas si c'est où. Voilà. Puis où est-ce que c'est trop gros, je pense que je vais repasser. Ouais. Celle-là était large. Oh. Bon, admettons là de même là. Et voilà. Okay. Là, je vais essayer de couper la collet. Okay. Hey, Seigneur. Tain. Oh là là. Tain, tain, tain. Tain, tain, tain. Tain, tain, tain. Fait que des fois, au lieu d'acheter vos chandails blancs, là, mettons, dans un magasin, là, vous en avez sûrement chez vous. Mm-hmm. En tout cas, moi, c'était mon cas. J'avais une multitude de chandails blancs vieux. Oh! Et... oh non! Ça y est! Ça y est. Donc là, faut aller mouiller nos chandails. Allô? Allô? Ça fonctionne-tu? Allô, allô? Hein? Ça fonctionne? Ça fonctionne. Ok, ben faut aller mouiller nos chandails. Faut aller mouiller dans le lac. Eh bon, il faut pas que j'échappe au téléphone. On va mettre ça là pour pas que ça pogne tout ça. Pour pas pogner tout le gazon du monde. Ah oui, excellente idée. Ça c'est compris. Bon. C'est vrai que moi je pense que ce que je vais faire, je vais y aller avec une twist originale. Que vous prenez le centre. Moi aussi j'en fais ça. Et vous twistez. Jusqu'à temps. Que vous pognez toute la camisole. Puis là, on prend une élastique. Ok, elle va m'ouvrir. Est-ce que j'ai deux mains? Et moi, j'ai une. Ça doit sentir le caoutchouc là-dedans. Eh, Seigneur, oui. Là, le but, c'est de tout en le laissant comme ça. Ça, c'est la partie la plus difficile, je dirais. Ah, je pensais qu'il fallait juste mettre l'élastique autour du rond. On va en mettre plus qu'un. Mais là, est-ce que l'élastique, il n'y aura pas de couleur? Non, c'est ça qui va faire l'effet tournoyé. Est-ce combien de temps ça dans l'eau colorée comme ça? Ça, c'est selon vos instructions, mais je pense que les miennes, c'est 15 minutes.
Ok. Puis il faut que tu le brasses régulièrement. Tu tournes, ouais. C'est parti. Il y a une twist aussi. Yes. On va y aller original. Bon, fait que là. Hey, bon, boy. Là. Yep. Là, tu tournes. Ouais. Et voilà. Comme ça? Ouais. Puis là, tu le ramasses en crêpe. Là, ça va être difficile. Ouais. Ça va être difficile, hein? Attends. Ça allait le plus maximum que tu peux. Ouais. Comme ça, mettons? Ouais. Et j'ai peur. Concentration. Genre. Et voilà. Vite en questionnement, savoir ouais. Quelle couleur qu'elle va prendre. Moi, je fasse comme un petit tour de surface en mélangeant le bleu et le jaune. Ok. Et moi, j'ai hâte de voir ça. C'est mon baptême de tie-dye. S'il te plaît. Merci. Et là, j'espère que t'as. Ouais, c'est chaud. La teinture bleue. Ok, c'est vraiment des petits pics. Ouais. Là, faut pas renverser. On va mettre un petit peu de jaune, je vais essayer de faire un turquoise. Ça peut être. Je sais pas ce que ça va donner. Fait que... Hey, c'est cool ça. Ouh! Ok. Voyons voir ce que je pense. Malade. Ok, c'est vraiment noir là. Mm-hmm. Puis jaune, il est disparu dedans. Ouais. Ça a l'air appétissant. Oh my god! Ok, ça a agi rapidement. Mm-hmm. Je pense que je vais me rajouter un peu de jaune. Bon, là, ce qu'on c'est des petites mouches! Oh, il y a de la mouche. Mon sac pour le retourner. Ah, tant mieux. That's ah, ben oui. Ah, parce que là, on sait pas si ça lui foule les doigts, là, mais on veut pas prendre de chance. Non. Ça fait 10 minutes. Fait que là, ouais. Fait que là, finalement, on a décidé de mettre le mien en même temps, là. Parce que là, ça finira plus. Hein. On avait mis ça parce qu'on avait chaud un peu dehors. Oui. Je pense que je l'ai enlevé. Je l'avais mis gagné. Ouais, je l'ai enlevé. Voyons. Bon, mais on va attendre. Oh, ça marche. C'est une grosse affaire. Fait que là, faut attendre jusqu'à temps que l'eau qui tombe ne soit plus bleue. Il y en a encore! Là, c'est quand qu'on enlève l'élastique? On va commencer tranquillement pas bien parce que je suis un peu que ah! Tu m'aimes! Ah! Ok, je capote. Oh my god! Ok, wow là! Wow! On dirait qu'il y a toujours pas fonctionné un peu. Monte dans le dos! Oh! C'est à ton tour, Chantal! Fait que là, je le mets au chaud tout de suite? Ouais. Hey, my! C'est chaud maintenant, ça. Ouais. Sur le blanc. Tu as enlevé l'élastique tranquillement, pas plus.
Faisons cette face-là. Il faut la face de Chantal concentrée. Je te fais dormir! Oh mon Dieu, pour toi, ça vient. Là, t'es un petit peu décolleté, là, mais avec une bralette, là, ça peut-être être bon. Ou mettons par-dessus ton costume de bain. Oh my god. Et voilà.